60 à 80% des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées si on faisait une prévention adéquate. Ou plutôt 20 ans en arrière, les AVC, lorsqu'ils arrivaient aux urgences, c'était les patients qui n'étaient pas pris en charge du tout ou en dernier parce qu'on n'avait aucune thérapie disponible. On donnait de l'aspirine, il fallait traiter 100 personnes pour qu'il y en ait une qui s'améliore et le mal était fait quand le patient arrivait. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de prise en charge, notamment la thrombolyse qui dissout le caillot et le geste endovasculaire, la thrombectomie mécanique, on peut recanaliser les artères et donner de l'espoir à des patients. Chaque semaine, on a quelques petits miracles comme ça avec des patients qui arrivent, qui sont fortement atteints neurologiquement, qui après 3, 4, 5 jours récupèrent totalement pour certains et d'autres en partie, mais vont beaucoup mieux qu'à l'époque. Grand nombre d'AVC n'ont absolument pas de douleur à la tête. Il faut savoir que l'AVC, on dit que c'est un fléau silencieux. Et le fait de ne pas avoir mal, c'est un élément qui souvent diminue l'alerte comme ça du patient. Et il va se dire, ah bon, mon bras est faible, je vais dormir, je vais faire une sieste et on verra dans 2 heures ce qui se passe. Le problème, c'est que chaque minute compte et que le délai passé, on peut ne plus être en mesure de donner les traitements nécessaires. Le plus tôt, c'est le mieux. Parce qu'on sait que si on donne un traitement à 90 minutes depuis le début de l'AVC ou à 4h30, on a 2 fois plus de chances de récupérer. Donc, on a jusqu'à 4h30 pour faire la thrombolyse, dans quelques cas rares jusqu'à 24 heures, et on a jusqu'à 8 heures pour faire le geste dans l'artère pour aller retirer le caillot, la thrombectomie mécanique. Mais là encore, ce temps, il ne faut pas considérer que c'est un temps à disposition. Plus on est précoce dans le traitement, meilleures sont les chances de succès.